get freaking up and qu'est-ce que t'as fait ta mère? Ben, elle a fait une soupe, des ailes, hot, pain, way trop de stuff. So là, votre mission est de avertir les gens qu'il y a ce spectacle-là de Noël. Oui. C'est 25$. Pourquoi tu me regardes? Moi, je connais pas, j'étais en Nouvelle-Écosse, là. OK. Ouais, ouais, ben lui, était sur une autre mission ouais, en Nouvelle-Écosse. Ouais, j'avais trop de choses à faire. Oui. Et quand que je joue avec ces affaires-là, des petites affaires de même, ou même comme n'importe quel house band, c'est comme un... C'est un release, on dirait. À d'autres Noël blancs, j'aime les frics à fin collés sous ce qu'il est qui mûre. Cœur, cœur, cœur. Oh, 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 oh. Quoi de fait? On est en train de préparer. On est en train de préparer le deuxième album à Justin, de Titoune. Puis là, on avait une vieille mélodie qui était Ligne ferroviaire. Je vais essayer d'enregistrer ça, envoyer le démo à Justin, parce que là, en janvier, on tombe en studio avec Matt Boudreau. Alors, on check ça. Je vais essayer de faire ça. Aujourd'hui, c'est le Noël chaleureux et je suis en train de finaliser les textes parce que c'est très délicat. Hein? C'est un spectacle de Noël, et mais moi, on veut que je fais des petites intros rigolotes. Juste assez que les gens soient comme « Ah ah ah, c'est drôle! » Juste assez pour que moi, je sois satisfait parce que j'insulte les gens. Mais pas trop pour faire pleurer les grands-mères. La première année, j'ai fait pleurer la grand-mère à Matt Boudreau et je veux plus que ça arrive. Gabriel, t'es en charge? Mm-hmm. Chris? Gabriel est en charge. Ma maman, juge ma mère.